Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo tutoriel. J'ai réalisé la peinture d'un vase en verre avec la technique de l'acrylique pouring et je vais vous montrer tout le processus. J'ai utilisé les peintures Cléopâtre, alors le blanc en grande quantité, hein, je vais utiliser deux verres de blanc, de la couleur or, du noir, de l'argenté, ainsi que du bleu outre-mer. Il s'agit de peinture acrylique Cléopâtre. J'ai choisi ces couleurs parce que je trouvais qu'elles allaient bien ensemble. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour dire si vous aussi vous appréciez ce mélange de couleurs ou si vous trouvez ça vraiment pas du tout judicieux. Je vais utiliser du vernis glacificateur en guise de médium de lissage ainsi que du Magic Plop de chez Cléopâtre en guise d'huile de silicone pour un effet cellulaire. Je vais donc recouvrir un vase en verre de peinture et j'ai choisi un petit vase acheté chez Action. Et j'ai également acheté une toile déjà prêtée chez Action qui mesure 29 cm par 29 cm. Parce que la peinture va couler le long de mon vase et pour ne pas gaspiller le trop-plein de peinture, je vais utiliser une toile pour réceptionner le trop-plein. Et du même coup réaliser la peinture d'un vase ainsi qu'un tableau abstrait sur toile. Pour ce faire, je vais avoir besoin d'un support pour maintenir mon vase et donc j'ai choisi un petit pot de confiture récupéré et je vais le faire tenir comme ceci sur ma toile. Pour préparer mes peintures, je vais comme d'habitude avoir besoin d'une pipette pour intégrer l'eau progressivement et de spatules en bois comme ceci pour mélanger ma peinture. J'utilise également des punaises que je place aux quatre coins de ma toile à l'arrière de celle-ci pour la surélever. Je ne savais pas trop quelle quantité j'allais avoir besoin pour réaliser la peinture d'un vase et d'une toile. Du coup, j'en mets pas mal. J'ai utilisé 6 grands verres de peinture à laquelle j'ai ajouté une dose de vernis glacificateur de chez Cléopâtre. J'ai bien mélangé ma peinture au vernis glacificateur avant d'y ajouter progressivement de l'eau à l'aide de ma pipette pour obtenir une peinture fluide et liante. À chacune de mes peintures, je vais ajouter 2 gouttes de Magic Plop et ainsi je vais pouvoir obtenir un effet cellulaire. Je ne mets que 2 gouttes, pas plus, parce que ça suffit pour obtenir de jolies cellules. Je vais à nouveau mélanger ma peinture pour que le silicone soit bien intégré à celle-ci et ma peinture est prête pour être déversée. Je vais donc remplir un récipient de peinture en alternant les couleurs. Cette technique de couches successives déposées dans un verre que l'on va ensuite déverser, on appelle ça un dirty pour. Voilà, c'est parti pour le coulage de la peinture. Je vais vous laisser apprécier l'image de ce déversement de peinture en musique. Voilà, alors je sais pas pour vous, moi j'ai vécu un moment un peu magique, je trouve que c'est vraiment magnifique. J'ai ensuite manipulé ma toile pour répartir la peinture qui avait coulé dessus et je trouve le résultat plutôt réussi. Je vais laisser sécher mon vase et pour éviter que se forment des gouttelettes qui restent et qui sèchent, je les fais disparaître à l'aide d'un petit bâtonnet régulièrement avant que la peinture ne sèche complètement. Alors je suis vraiment contente du résultat, je trouve la peinture brillante. Elle est lisse, sans cratère, sans aucune aspérité. Vraiment, je pense que c'est grâce au vernis glacificateur. Je suis très contente de ce produit, et ainsi que des peintures Cléopâtre d'ailleurs. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez sous la vidéo, à commenter cette expérience, et puis vous trouverez le matériel que j'utilise sous la vidéo si ça vous intéresse. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez aimé, pensez à vous abonner. À bientôt !